Well, here I am, toffed up once again, only once a year or so, the way I do things. And I'm off this time to Bessines-sur-Gartempe, as I'm the parent, or the father, which is a very lovely, quaint French custom to have a couple, or two people, to start the exhibition, to head the exhibition. In this case, the exhibition of Susan Vallandor at Bessines-sur-Gartempe, and Utrillo and other artists of the area. They've got a lovely show for a week or so now, and they've honoured me by inviting me to open the show today. So I'm going to go there now, and also at the end of the week I'll be doing a demonstration trying to show how Susan Vallandor's work can be created, painting a flower scene, a still life scene, I think, because I've only got an hour or so to do it in, not very long at all. Normally need 2 hours for a demo, but I've only got 1 hour, so it'll be a smaller one, I think. Right, although I must say, actually, I'm a bit concerned and quite perturbed, because I have to do a whole A4 sheet in French, and it's quite complicated French, even though I'm just reading it. It's going to be quite a difficult thing for me. Malgré, date de 1848 et qui a inspiré le dernier album de l'artiste Abdel Malimem, Métis, et qu'il a subi une campagne raciste. Hein, Say she died in that year, 2 years after I was born. I'm now at the Susan Vallandor exhibition, waiting to do my piece in about an hour's time. Outside it's swelteringly hot, and he's just here with me having a look as well. So we'll just wait and see what happens. C'est une immense joie en tout cas de nous réunir aujourd'hui pour le vernissage de cette, je crois, exposition qu'on peut dire exceptionnelle et même, allons-y gaiement, d'envergure internationale. Cet événement n'aurait pu trouver meilleur endroit que notre commune pour accueillir, car sans Bessines, pas de Suzanne Valadon, sans Suzanne, pas de Maurice Valadon, pas Utrillo, pardon, et sans Maurice, pas d'expo. Donc voilà, on peut dire quand même que malgré tout, notre commune, comme vous l'avez signalé, est une commune rurale qui ont dû effectivement reprendre, si j'ai bien compris, la mise en place de l'exposition In Extremis. Alors apparemment vous avez aussi donné quelques sueurs froides aux les finances. Je vais leur laisser la parole à chacun. Et quand ils auront parlé, ils couperont le ruban rouge. Et là, vous pourrez découvrir cette exposition dont on vous rabat les oreilles depuis déjà 20 minutes. Donc merci à toutes et à tous. Donc en effet, Sylvia Guillot, donc la directrice du Crédit Agricole de Bessines. Donc je suis ravie d'avoir rencontré le duo de choc de cette belle association et d'avoir pu participer. En effet, dès qu'ils me l'ont présenté, je pense que c'est un événement incontournable à faire cet été sur Bessines, que ce soit des habitants de l'environnement ou un peu plus loin géographiquement. Et je suis ravie que le Crédit Agricole ait pu les accompagner et être là présent à leur côté pour cette belle manifestation. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et encore merci de m'avoir proposé d'être marraine, ça me fait très plaisir. Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous connaissez mon accent anglais-français. C'est difficile pour moi, beaucoup les mots en français. Depuis mon arrivée chaque été au cours des 3 dernières années, je suis invité à participer au festival de Susan Vallandor. Ensemble, cela a été un honneur et un plaisir. Mais cette année, c'est un événement encore plus important pour moi d'être invité à représenter et à être le parrain de cette exposition. Je vous remercie très sincèrement.
pour cette opportunité et le souvenir que je garderai pour le reste de ma vie. Je suis dans une situation idéale en poignant dans la vallée de peinture, comme l'impressionniste et vous m'avez fait sentir que j'ai passé partout de le communant qui a donné plus de profondeur et de sens à mon travail et ma vie. En tant qu'artiste, je suis très conscient que la musique et l'art sont une langue internationale compréhensible partout. De toute façon, il existe de nombreuses similarités entre l'anglais et le français de notre culture, et même de notre langue. Pourtant, les difficultés auxquelles je suis confronté en prenant la parole, c'est façon lorsque nous visionnons tout ensemble les œuvres de Sousa Valadon, ou Triller, ou d'autres grands peintures tels que Monet. Nous partageons les mêmes émotions, nous comprenons la même beauté que l'artiste. Il s'agit simplement d'une compréhension parallèle d'histoire de l'art ou de l'âme qui changerait ou modifierait notre perception. Cette année, vous avez rassemblé une magnifique collection d'œuvres de cet artiste local du Parc, qui occupent une place importante dans cette histoire de l'art. Ces coups ont fait la différence et se sont démarqués par le talent. Ils ont exploré, expérimenté et créé un style très personnel au-delà de la représentation photographique. Je suis très heureux de parrainer cet événement et merci encore. Ah, Monsieur Degas, bonjour aussi. Merci également à Degas, à son aide à Suzanne. Je ne serai pas ici maintenant. J'espère que vous connaissez moi. Merci beaucoup, Peter, d'avoir pris le temps de parler en français. Alors, Peter représente aussi la Vallée des Peintres. Il a son atelier à Prestine. Il a un talent fou. Et le 20 juillet, en direct, pour les personnes qui s'inscriront, les places sont limitées, il reproduira une œuvre de son choix. Il sera accompagné par deux musiciens de Saint-Maurice-la-Souterraine qui sont spécialistes des vernissages et qui improvisent face aux œuvres. Donc je crois que dans notre programme du mois, de toutes les animations, grâce à Peter, ça sera un événement. Merci pour ce soir. Merci à vous. Merci pour hier, car dès la première année, il a été à nos côtés. Et merci pour demain, parce qu'on va continuer. D'approcher des portes là-bas, on va mettre le ruban rouge qu'ils vont couper, s'il y en a qui veulent prendre des photos. À partir de maintenant, accès libre pour boire et pour déguster les petits fours. Vous pouvez vous approcher du buffet, donc vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais surtout, on vous le redit et vous le comprenez, on boit et on mange en dehors. Les gens d'association qui veulent bien venir, allez, venez, venez. Les bénévoles, la fille avec les ciseaux, les bénévoles, venez, venez, tous ceux qui ont œuvré. Venez, venez, venez. Venez, venez. Oui, c'est Catherine, la ciseau, Catherine, tu es où? Eh bien, il n'y a pas de nom érotique. Thank you.
Hola, hello my dear. No, hello. How are you today? I'm all right. I didn't realize you were English as well. That is camel. Je suis le chameau de Peter Wood.